Bonjour. Votre nom, s'il vous plaît. Acré Assu. Et votre pays? La Côte d'Ivoire. Qu'est-ce que vous faites ici, monsieur? Je suis venu aussi au salon de l'agriculture marocain. C'est ma première participation. Avec le conseil coton en ACAD. Donc je suis venu animer le stand du coton en ACAD avec ma responsable, présenter un peu les produits qui sont faits en Côte d'Ivoire, surtout là en ACAD. Il est différent parce qu'on fait aussi la transformation en Côte d'Ivoire. Donc montrer au public ici les produits issus de la ACAD. C'est pourquoi on a apporté la pomme et aussi comment le process, expliquer un peu le process pour arriver à l'amande blanche qui est vendue ici et puis les produits dérivés du cajou. Est-ce que ça influence avec la pluie et vos produits? Si. Par exemple, la production, la pomme, la récolte commence autour de novembre et se termine juste avant la saison des pluies. Ce qui fait que la pomme, on parle de la pomme tout le temps. Et donc aujourd'hui, par exemple, cette pomme, on l'a fixée pour pouvoir l'avoir tout le temps. Ça, c'est pour la démonstration. Et là, par exemple, on l'a conservé dans du sirop. Comme ça, à tout moment de la saison, on peut manger la pomme. On peut le consommer durant toute l'année. Maintenant, peut-être en Côte d'Ivoire aussi, pour les usines, pour qu'on ait un bon stockage pour les usines. Les usines ont perfectionné leur stockage pour avoir des stockages plus performants, plus résistants, pour avoir toute l'année des noix de cajou pour pouvoir respecter les commandes. Et vous faites ça uniquement pour la consommation locale ou aussi pour l'exportation? Bon, au niveau du conseil, au niveau de la politique ivoirienne, on est les premiers producteurs de cajou et on ne s'est pas seulement arrêté à cela. Et depuis l'année passée, on est le troisième transformateur mondial après le Vietnam et l'Inde. Et on continue avec des pôles d'usines de transformation à Korogo, à Bondoukou et Yamoussoukro. À Korogo, c'est presque fini. Hein, pour qu'on puisse augmenter la transformation de l'amande de cajou, de l'amande de cajou sur place. Et en dehors de ça, ça c'est les amandes qui sortent. On a aussi incité les transformateurs à aller dans les produits dérivés, de sorte que tout ce qui sort, par exemple la pomme qui est jetée, ne soit plus jetée, on puisse faire des fruits confits, la confiture ou bien du jus qui est très énergisant. Et le taux de vitamine est très important. Une bouteille comme ça équivaut à 5 bouteilles d'orange en vitamine C. Et donc, on essaie de faire cette promotion de façon locale, mais surtout avec l'Estegueux, surtout au Maroc, tous les petits carrefours, il y a plus des épiceries, la consommation de cajou est vraiment forte ici. C'est que la planète actuellement souffre de la rareté de l'eau. Comment ça se passe chez vous, en Côte d'Ivoire? Bon, en Côte d'Ivoire, pour l'heure, on n'a pas encore ce souci-là. Mais on fait en sorte dans la technique, l'encadrement qui est fait au niveau du conseil avec les planteurs, c'est de ne pas rester seulement premier, mais rester premier avec la qualité des produits, etc. Donc l'encadrement avec la NADEA et d'autres structures spécialisées permet d'avoir optimisé les rendements, mais avoir des produits de bonne qualité. Et donc par exemple, la production technique, mais pour l'heure, ils n'ont pas ce souci-là. Mais les champs qui demandent, les nouveaux champs, les nouvelles plantations qui ont demandé d'irrigation, ils ont des techniques d'irrigation de coûte à coûte, etc., qu'on leur donne, de sorte à arriver vite en production et avoir un rendement aussi performant. Vous avez visité notre ville, Meknès? Meknès, je ne vais pas dire que je l'ai visité, mais comme je suis venu de Casablanca en journée jusqu'à Meknès, j'étais vraiment... j'ai trouvé fantastique les plaines où on avait du blé, des oliviers, vignes, etc. Dans le domaine des plaines, je vous... Et puis j'ai vu le travail de la terre. La terre était quand même aride, mais ils ont remué la terre, ils ont trié le caillou. Et j'ai vu des serres, des irrigations, etc. Je vous invite d'aller vers le nord, vers les moyens Atlas. Il y a l'oignon, une manière spécifique pour emmagasiner l'oignon. Je vous invite à visiter El Hajeb, Ifrane et les autres villes. Et bon séjour. J'ai prévu de revenir ici, faire un peu de tout. Parce que bon, j'ai aimé bien l'accueil. Et puis bon, la tolérance qu'il y a ici. Hein, surtout avec la conduite, etc. Le respect. On est des pays frères. Et à chaque fois, choukran. On est pays des frères, oui. Le gouvernement. Si, ça j'ai remarqué. Et ça restera. Oui. Merci beaucoup. Merci. Bonjour.